C'est peut-être ça aussi le journal. Des images que tu retrouves sur une carte SD. Et le lien secret avec ce que tu entends. Le midi. Chez le traiteur asiatique. Ces images de Méditerranée. Quand une tablée d'hommes et de femmes. Chargée de convoyer ceux qu'ils appellent personnes en situation irrégulière. Depuis les centres de rétention administrative jusqu'aux aéroports. Tu écoutes leur récit. Un écœurement. March 22. Je visite avec Étienne l'exposition Marcus Lupertz au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Dans la partie contemporaine du musée, il me fait remarquer un portrait de Gertrude Stein. Ce serait sans doute bon de ne pas coller trop de mots aux œuvres, quand couleurs et gestes suffisent. March 22. Étienne rentre à Paris. De nouveau seul à la maison. Seul avec tes mots. Ta crainte que la béance de l'avenir ne devienne faille. March 22. Qui vas-tu chercher dans les plis du jour? C'est qui celui qui prend forme incertaine dans les couleurs et les lumières? Dans les lignes entre les bords du cadre? Tu n'es peut-être que le geste et sa répétition. Et l'instant suspendu de l'écriture. March 22. Planter les premières salades dans la serre. Les va-t-en-guerre s'en donnent à cœur joie.
9 mars 22. Si tu trouves une chose qui t'explique le monde, seule reste la ligne écrite pour qu'elle se sache à la ronde. Le voyage en non-comprendre peut toujours, toujours s'étendre tant qu'il te plaît, puis silence. Puis des loques te pendent au visage, du papier colle à tes semelles, du verre noirci se brise sur toi, tu laisses toi aussi des traces. Les traces te mènent à la tombe et t'en retirent, sans contredit, afin qu'un maître, souvent toi-même, dise « Tout est accompli ». Mars 22.